Le bassin de potions, hein. Il nous reste plus que ça. Mais pour moi, c'est une branche qui... C'est pas une branche importante, quoi. On va essayer ça, mais c'est... Je me souviens que la quête, elle est... Je l'ai essayé, elle est chiante. Faut amener des mobs agressifs à un endroit pour pouvoir les buter, et sinon ça compte pas, enfin voilà quoi. Le truc bien relou. Le truc déjà je peux pas faire avec avec mon marcheur. Ou alors ça va être compliqué quoi. C'est de l'argent! Il faudra que je fasse un peu de tri dans tout ça là parce que... Parce qu'il y a des trucs, il va falloir que je les jette. Plaisir d'avoir pu vous aider! Salut à vous, créatures mortelles. Le chaos. Je sais pas pourquoi je kiffe Maldraxxus. Peut-être ça me fait énormément penser à Ombrelune un petit peu quoi. Avec les nouvelles recrues, il va falloir de nouvelles montures. Et il faut être particulièrement courageux ou idiot pour capturer une aile écorchée. Le truc c'est Ombrelune, j'y ai pas passé Le tellement d'heures primat pendant mon a adolescence. remporté bien des batailles rangées. C'est la nostalgie en fait, Faites je pense honneur qu'il à ta parle. mémoire en vous imposant en ce lieu sacré. C'est la nostalgie qui parle en fait quand je kiffe Maldraxxus quoi parce que c'est. Je vous dis ça fait Les penser. recherches de notre Ça me maison fait se penser poursuivent. à Ombrelune et Ombrelune. C'est mon adolescence sur WoW quoi. Bon, voyons un peu cette quête. Alors, de mémoire, faut que je me méfie parce qu'il y a des. Il y a des trucs qui me blessent, je crois. La flotte, elle est.
Elle est empoisonnée, des trucs comme ça. C'est le cycle qui vous amène à moi. Apporter trois ingrédients suivant huile visqueuse. Le cycle continue. Du coup, comment servez-vous les margras? Donc, du coup, si je me souviens bien, c'est ça, faut. C'est ça, c'est cela là. Faut que j'arrive à les amener. Voilà. Faut que je l'amène ici. Et là seulement, faut que je le dégage. Non, ça peut marcher. C'est pas ça? Attendez. J'ai vu un truc là. C'est quoi ça? C'est quoi ce point? Bon. Ah, parce que... Ça me blesse pas quand je vais là-dedans. Bon, et y a rien là? Y a un truc là. Y a un truc au milieu. Je sais pas trop. J'aimerais bien sortir. Merci. Bon, on va retenter du coup. Est-ce qu'il faut que je retente avec un verre hein? Ouais, non, il est trop loin. Du coup, j'ai un doute en fait. Faut peut-être juste les buter et les ingrédients sont sur eux, quoi. Putain, c'est ça. Je pensais qu'il fallait les buter sur place, mais en fait, non. Les ingrédients, ils sont sur eux. Ouais, alors. C'est vrai qu'avec mon marcheur, ça irait mieux. Attendez, enfin c'est... Ok, je... pas bien compris là. Ah, le doux fumé.
Mana ou vie. Allez, vie. Pour les margraves et Maldraxxus. Ok. Ah oui, ok, d'accord. Non, ça c'est un, c'est une XP ça. Mais j'ai des nouvelles quêtes qui sont apparues. Comment servez-vous les margraves? Je vais suggérer 5. Je vais la prendre, on va essayer. C'est quoi entrer dans Malpeste? S'efforcer encore et toujours de sortir avec toi. Ah d'accord, ok, donjon. Donjon. Faites-vous vos 30 minutes de rituel par jour? Mais ça, c'est des quêtes secondaires. Hein. C'est pas des quêtes qui vont me faire avancer dans le... Dans le... Dans l'aventure. Hein. La réanimation apporte l'éternité. Pourtant, elles sont affichées. Elles sont affichées sur la carte. Mais jadis, l'anima flottait partout dans l'air, comme de la simple poussière. Puisse votre chemin vous garder de l'antre. Quoi, mais... C'est quoi cette blague? Je... Donc du coup j'ai rien récolté là. Bref, je sais pas trop en fait. Je dois m'approcher. Donc apparemment quand je bute certains, j'ai un... Quand je bute certaines gelées en fait, j'ai un... j'ai une chance de pouvoir dropper un... Ok, faut qu'en fait je les laisse comme pourrir quoi en fait. Un truc comme ça, mais... Ok. Et je peux faire ça plusieurs fois du coup, tant qu'il disparaît pas. Résultat inattendu lors d'une expérience. Merci pour votre aide. Le Prima vous garde.
Ok. Et donc, il y aurait une quête à faire en donjon. Mais je sais pas si ça va vraiment aider au Schmilblick, quoi. Je vais la prendre et je la ferai hors caméra comme j'ai fait pour. Vous feriez une enveloppe convenable. Je sais que je devrais la faire en donjon. Donc je la ferai certainement en soirée. Peut-être mercredi soir, un truc dans le genre. Ou mardi soir. Mardi soir, il y a des joueurs souvent. Après, là, on est en juin, ça va être les vacances scolaires, donc il va y avoir des jeunes joueurs de vous avez disponibles. le teint terriblement hâlé aujourd'hui. Bon, donc là, on est coincé. À part ici, du coup, dans l'antre, il y a des quêtes. J'ai ça là, c'est une quête de. À faire, mais voilà. Et j'ai une quête tout là-bas, perdue dans les ténèbres. Elle se contenterait ça, mais là, faut que je me tape tout ça à pied. Sans monture, sans rien. Enfin, je peux prendre une monture au départ, mais j'ai droit qu'à 1 minute de monture, quoi. Quelle heure il est? 17h? Allez, on verra. Faites-vous vos 30 minutes de rituel par jour? Pour le moment, je vais rentrer à Ravendreff. Et je vais gérer ma table de commandement, je vais gérer tous ces trucs-là. Et on va faire une pause. Voilà, je vous tiendrai au courant pour la quête là, de la Malpeste. Mais enfin voilà, si je fais un donjon Avec un les soir. nouvelles recrues, il va falloir de nouvelles montures. Et il faut être particulièrement courageux ou idiot pour capturer une aile écorchée. Mais je pense que ouais, on va du coup faire une pause dans le scénario jusqu'à ce que j'ai des nouvelles quêtes qui apparaissent. Parce que bah, il est possible aussi qu'en fait simplement le reste des quêtes soit pas scripté en fait. Et qu'il va falloir attendre que Le Primat a remporté bien des batailles rangées. les devs Cet de honneur Firestorm est à toi. les activent. Bref, allez, je vous laisse et sur ce, bah, je vous dis bah, tout de suite pour vous, à plus tard pour moi. À beaucoup plus tard pour moi. Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie. On se retrouve pour l'épisode 168 de BBS. Il me semble qu'il n'y avait pas d'épisode en cours, hein, si je dis pas de bêtises, je vérifie. Juste une seconde, si on n'est pas au cours d'un épisode, mais il me semble pas. Tac, tac, tac. Ah si, excusez-moi, on est en cours d'un épisode, excusez-moi. Il me semblait que voilà. Parce que là, il y a eu une coupure. Et ça fait plusieurs mois hein, que je n'ai pas joué. Hein, vous le savez, il y avait. Voilà, on était arrivé au bout, plus ou moins, de là où on pouvait aller. Puis, il y a eu des mises à jour. À ce que j'ai compris aussi, Firestorm a fusionné avec un autre serveur. Donc, on est toujours chez Firestorm, hein, mais il y a une plus grosse communauté de joueurs encore maintenant. Du coup, voilà, il y a quelques news. Alors, je vous avouerai que j'ai complètement délaissé Oriboss au cours de ces. Quand est-ce que j'ai tourné le dernier épisode? Je vérifie. Le dernier enregistrement. Ah ouais, quand même. Mais. Ouais, mi-mai.
Ok, d'accord. Donc je vous explique, ça fait 7 mois que j'ai, enfin que je n'ai pas tourné, mais que j'ai joué. J'ai joué 2 fois par semaine à peu près, mais vraiment en faisant que du trade, que du commerce en fait, du farm de donjons, d'anciens donjons, hein, d'anciennes extensions. Voilà. Et donc je suis à 2 millions 4 de PO, donc de pièces d'or. Voilà, j'ai. C'est tout. Au niveau des quêtes, alors j'avais cette quête-là. Alors excusez-moi, hein, on est en décembre au moment où je tourne. J'ai mal à la gorge, donc je suce de la lysopine. Voilà, il y a la salle de torture de Jaina, là, voilà, j'ai un truc qui traîne dans mon inventaire qui le concerne, ce truc. Voilà, donc je sais que je vais devoir retourner à Tourment. Ça, je le sais, je sais plus si la quête, on l'avait déjà vue ensemble, mais voilà, c'est une quête qu'on doit faire. Donc, on va retourner donc sur l'extension Shadowland, du coup, et je vous dis, ça fait 7 mois que je n'y suis pas allé. Je sais qu'il y a des mises à jour. Je sais qu'il y a donc qu'on va pouvoir avancer plus vite. Je sais aussi qu'il y a davantage de points de. Je sais plus comment ça s'appelait, les points de renom. Ouais, c'est ça. Des nouveaux points de renom qu'on peut obtenir. Et notamment que normalement, avec suffisamment de points de renom, on va même pouvoir débloquer le vol. À Auriboss. En parlant du vol, j'ai quand même un petit peu fait de renom. Et donc, j'ai cette monture qui est censée pouvoir voler. Alors là, évidemment, elle ne peut pas voler parce que je n'ai pas encore la possibilité de voler à Auriboss, donc sur l'extension Shadowland. Mais cette créature peut voler. Et donc, c'est une créature d'Eventyr, bien évidemment. Ah, j'ai récupéré mes points. Que cherchez-vous? Bonjour Jeanne, voilà, ça c'est fait. Et ça me fait du bien, mine de rien, de reprendre du World of Warcraft en vidéo. Du coup, on va faire nos quêtes, enfin les nouvelles quêtes, et donc je sais qu'il y a donc de la nouveauté par là. Je ferai mon possible pour vous aider. Attendez. L'affaire du passé reste lourd à porter. Il y avait pas une quête en attente ici? Il me semblait avoir vu une quête. Ah non, attendez, attendez, c'est par là. Bah non. Bah, il me semblait. La route qui nous attend sera difficile. Loctar. Que peut faire la fille du vent salé pour vous aider? Bah attendez, excusez-moi, du coup, c'est pas là. On a une quête à Ravendreth? Exact, vétéran de Tomvis. Non, attendez. Ouais, si, c'est ça, vétéran de Tomvis. Excusez-moi. Donc, du coup, on va aller à Tomvis. Excusez, il me semblait que la suite de quête était là. Et en fait, non. Il faut aller libérer Jaina, apparemment, pour continuer la quête, parce que j'avais eu un dialogue qui s'était déclenché avec une quête, mais puis je l'avais pas prise évidemment parce que je voulais le faire en vidéo. Excusez-moi. Tiens, il y a une boîte à lettres portable. Faudrait que j'apprenne à en faire ça, mais ça c'est les ingénieurs qui peuvent en faire. Hein. Bienvenue en la cité d'éternité. Tombis. Donc oui, donc 2 millions 4, on est quasiment à la moitié de mon objectif pour pouvoir obtenir la monture, vous savez, qui permet d'avoir un hôtel des ventes avec soi. C'est mon objectif, hein, c'est d'avoir cette monture qui se trouve donc à Zuldazar. Sinon, il faudrait monter là. Enfin, faudrait prendre ingénierie et il existe un robot hein, qui permet
de faire ça, mais faut être ingénieur. Ah, Tombis, enfin, Ravendreff. Fait longtemps que... Bah, ça fait 7 mois que je suis pas venu là. Franchement, ça me fait bizarre de revenir là. Je vous avouerai que j'ai été... modifications à mon fameux parasol, afin qu'il absorbe... J'étais à... obtenu un stock d'étranges armes. Comment dire, j'étais retourné à Satra, du coup, hein. Ça fait 7 mois que je suis à Satra, que je fais des allers-retours dans les donjons, bah, de... Parce que, mine de rien, les composants de Burning Crusade se vendent bien. Et de... J'ai du boulot pour vous. Votre dos, il est solide. Et de l'extension du Roi Lich, la White of the Last Lich, de Walk, se vendent bien aussi. Donc c'est surtout les donjons de Burning Crusade et de Walk que je farm. Et évidemment aussi toujours un Terre de Feu, l'extension de Cataclysme. Terre de Feu qui est toujours le donjon qui rapporte le plus. Bon, il y aurait les quêtes aussi à faire, les quêtes journalières, enfin les quêtes plutôt hebdomadaires à faire, mais bon. Donc niveau renom, voilà, hein, on en est là, et... est-ce que j'ai compris ? Peut-être 50. Non, c'était lequel? Costume de moissonneur. Attendez, j'ai un doute. Je vais vérifier avant. Juste pour une seconde. Non, je peux pas voler ici, hein, on est d'accord. Donc je sais qu'il y a un renom plus tard qui nous donne la possibilité de voler. De toute façon on va en obtenir en faisant les quêtes, hein, de toute façon. Ah putain, j'avais pas vu campagne. Premier acte, il faut parler au marche droit, adresse à Oribos. Bon, on le fera après. On va faire la quête Oduka qui est là pour le moment. Alors, l'influence de Tombvis ne cesse de s'étendre grâce à vos victoires, amis jeux normands. Vos exploits ne sont pas passés inaperçus, même au-delà des frontières de Ravendreth. Le récit de vos victoires a résonné jusque dans les salles de Ribos. Zozorg, le maître des conflits, souhaite vous rencontrer dans l'enclave. Je vous conseille de ne pas le faire attendre, ce spécialiste de l'art de la guerre. Allez voir Zozorg dans l'enclave de Ribos.
Ah bah super. On a plus court à prendre les TP. Plutôt que de prendre le fly. Du coup, comme d'habitude, hein, je suis à Satra, comme d'habitude. Je suis le seul joueur à être là, mais c'est pas grave. Enfin, de temps en temps, je croise un autre joueur, mais... Pour vous, je n'ai que ce qu'il y a de mieux. C'est tout? D'accord. Vous voulez regarder ma sélection? Assister à la traque. Activer le mode garde. Non, ça, ce sont des trucs JCJ. Belle performance. Du coup, il faut parler. On marche droit à Hardress. D'accord, ok. Bon, Jaina est là, même si on l'a pas vraiment libérée encore de... Cinématique. Trouvez votre pureté. Malgré tous nos efforts, l'antre gagne en puissance. Et si la trahison de Denatrius était irréparable, le Primat est perdu. Et le bastion ne suffira pas à sauver l'ombre terre. Rien de tout cela n'aurait dû arriver. Peut-être la reine de l'hiver pourrait-elle. Mon archonte. Une âme vivante demande audience. Un mortel? Un roi. De toute évidence, un être qui a voué son existence à la justice. Un être prêt à tout pour servir son peuple. Un être dont le cœur est pur. Très bien. Qu'il approche. Avancez. Mais transcendez mon parler de vous. Le roi retenu prisonnier dans l'antre. Cette geôle ne pouvait me retenir très longtemps. Pourquoi êtes-vous venu au bastion? Vous détenez une clé dont j'ai besoin. Vous libérez cette âme de votre emprise. Non. Nous sommes liés. Tout comme vous avez cherché à prier à votre propre frère.
retour, ils verront que nul ne peut entraver la mort. La vache! Ok, donc il a réussi à retourner Edwin. Ok. Ok, ok. Wow, c'est chaud. Nous avons tous un devoir à accomplir. Réunissons-nous dans la salle de l'arbitre. Il nous faut décider de la marche. Les heures sombres nous attendent. Entendez la parole de l'arbitre. Si le geôlier demeure confiné dans l'antre, sa cruauté s'exerce bien au-delà des murs de sa prison. Par chance, l'archonte semble bien se remettre de l'attentat dont elle a été victime. Pour autant, la nature de sa blessure est des plus troublantes. Les éternels et leurs alliés vous attendent dans la salle de l'arbitre. Le généralissime Fort Dragon et vous permettez que vous montre... Permettez que je vous montre le chemin. Pour moi, c'est la voix qui a parlé. Par moi, c'est sa voix qui a parlé. Parlez à Tal Inara pour accéder à la salle de l'arbitre. Okay. Loué soit sa voix. Il y a beaucoup à faire. Bolvar porte un regard admiratif sur les grands personnages qui se tiennent devant lui, émerveillés par les innombrables portails alignés à perte de vue dans les terres. Excusez-moi, faut que je tousse. Cette salle est véritablement prodigieuse. Mais l'heure n'est pas la contente. L'auguste voix doit donner le coup d'envoi de cette réunion sans plus attendre. Écoutez le plan. Combattez pour Azeroth. Quelles sont les nouvelles? Fiez-vous au dessin. Sa voix, au nom de l'arbitre, nous répondons à l'appel des éternels. Cette agression contre le bastion ne doit pas rester impunie. Votre blessure est-elle guérie, Kyrestia? Non. Mais c'est bien dérisoire comparé au vol que nous avons subi. Et que vous a-t-il donc pris? Il y a fort longtemps, chaque éternel s'est vu confier un cachet symbolisant la vocation première de sa congrégation. Mais Zoval n'y a vu que le moyen d'accéder à des savoirs intéressants. Nous l'avons alors frappé d'hérésie, et il a tenté de s'en emparer par la force. Mais au bout, le primat nous a conduits à la victoire. Et pour prix de sa trahison, Zoval a été condamné à une éternité d'exil. Pourtant, même depuis l'antre, il est parvenu à trouver des alliés. Je soupçonne Sir Denatrius de lui avoir tout simplement offert son cachet. Mais le sanctum du Prima n'abritait aucun cachet. L'essence de l'arbitre est toujours ici. Et doit être protégée. La lame d'ébène défendra la cité d'éternité. Mais le geôlier aura d'autres cibles en vue. Oui. Déjà, je sens son influence malveillante s'étendre sur mes bosquets. Les Nécro-Seigneurs vont bouter les envahisseurs hors de Sylvarden. Et les Ventir les y aideront, Draka. Nous allons rallier les congrégations afin d'organiser la défense. Qu'il en soit ainsi. Par moi, c'est sa voix qui a parlé. Mouais. Parlez des mortels. Vous êtes spécial, pas vrai?
on ne s'ennuie jamais avec vous. La bataille de Sylvarden. Ah, bon, bah, on va aller à Sylvarden, visiblement. Après la trahison de Sir Deidatrius et la disparition du primat de Madraxus, nous devons partir du principe que la reine de l'hiver sera la prochaine cible du geôlier. Pourquoi la reine de l'hiver est... attendez, il y a qui d'autre? Il reste trois clés, mais qui... Attendez. Celle du Prima, on sait pas s'il a pu la chourer ou pas. Bon, ok, admettons. Et nous laisserons personne s'emparer de son cachet. Sylvarden a beaucoup souffert, mais c'est un royaume mystérieux au pouvoir insoupçonné. De fait, les apparences y sont souvent trompeuses. Nous allons en profiter pour accueillir, comme il se doit, les ennemis de la reine. Protéger le cachet de la reine pendant la bataille de Sylvarden. Ok, il va y avoir une bataille. Qu'est-ce qu'on a ? Deux drones. Sylvarden et Oribos sont aussi des cibles potentielles. Darion, la lame d'ébène, devra protéger la cité. Nous y veillerons. Bane et moi les appuierons. Le geôlier n'aura pas le cachet de l'arbitre. Je vous accompagne en Sylvarden, Bolvar. S'il reste la moindre chance de sauver Anduin. D'accord, donc toutes les congrégations vont s'unir, en fait, pour lutter contre l'antre. Enfin, surtout le geôlier, quoi. Ok. C'est Sylvanas Courcevent en personne qui mène l'assaut des Entreliges. Elle ne doit pas s'emparer du cachet. Plusieurs d'entre nous se sont portés volontaires pour se déguiser en reine de l'hiver. Ils se disperseront dans la forêt afin d'induire la Banshee en erreur. Ça devrait l'occuper le temps que l'Anali repousse les Entreliges et puisse s'en prendre à elle. Espérons que ce soit suffisant. Ok, et on est dans une instance. Nous ne pouvons pas laisser ce monde succomber au début. Ok, donc on a Jaina qui tient la défense. Encore une et ce sera bon. Ah, pourvu que ça fonctionne. Et un leurre avec un gland d'anima. Oh, ça devrait être intéressant. Ok, d'accord. Excusez-moi. Une petite chanson pour vous réconforter ? J'ai hâte de voir. La vraie reine protégera le cœur de la forêt. À nous d'arrêter les envahisseurs. Cette ruse ne les occupera pas éternellement. La bataille ne doit pas s'éterniser. Alali, aux armes! Ils ont déjà envahi le ciel.
Quel magnifique royaume! Mais pour moi, ça manque de gelée. Heureusement, je peux y remédier. Marilette, attendez! Nous devons y aller ensemble. Je dois aller où, là? Putain, c'est mal indiqué. Faut que j'invoque mon démon et tout, j'ai pas... Oula, je suis pas prêt, hein. On est où là? 92%. Il me faut ici. Sylvanas a été repéré près des chutes. C'est l'occasion ou jamais de l'abattre. Ah, ça me fait mal pour ma reine. Mais bon. Utiliser des montures. La reine de l'hiver envoie donc ses loyaux sujets mourir à sa place. Vous ignorez tout de la loyauté, Banshee. C'est vous qui ignorez tout de tout. Vous ne pouvez rien faire face à l'inéluctable. Regardez qui vient dire bonjour. Vous échouerez une fois. Léa à la rescousse! Tout s'envole! Visez le cœur! Rattrapez-la! Rebonjour! J'ai plein de gelée en stock pour nos amis là-haut! Putain, d'accord, ok. Et pour vous, il y en a pour tout le monde.
C'est bon, plus qu'une. Mince alors, je suis à court de gelée. J'en prendrai plus la prochaine fois. Non, c'était le dernier leurre. Faut tuer lui. Ah, j'ai plus de... Prête à sacrifier vos serviteurs. Mais qu'en est-il des esprits confiés à votre garde? Ils s'emparent des graines sauvages! Vite, nous devons les arrêter! Sauver les graines sauvages, Et pourquoi il est où mon marcheur là? Ah putain, il est sur les deux là-bas. Ok, c'est pour ça que... Ok, d'accord. Donc faut que je trouve ces graines là. Mais du coup faut peut-être pas que je perde mon temps avec les mobs. De toute façon on est en instance, du coup ils vont me suivre. Ils vont me suivre au bout du monde. Hein. Quand j'en aggro un, il faut que je le bute. J'ai pas trop le choix.
ils ne me lâcheront pas. Bon, du coup, au moins je sais quoi faire. Donc il faut que je focus les fameuses graines. Là-bas. Ok, donc j'en ai deux. C'est bon.